Désir Venesse et Saint-Métier nous laissons dire que c'est juin lundi 4 novembre ça que PM Gary Conny t'a dû avoir explication avec un conseiller président sous groupe mercenaire qui a dit qui en Haïti, puisque jusqu'à présent, question soit posée, est-ce que groupe mercenaire ça y est venu pour sécurité PM Gary Conny? Est-ce que groupe mercenaire ça y est venu pour capable de formation avec la police? Non. Est-ce que groupe mercenaire ça y est là pour capable de sécuriser espace périmètre côté PM la pied? Est-ce que groupe mercenaire ça y est en mission pour capable de gérer un dossier quelconque? Puisque, rappelez, nous avons songé que Désir Venesse, que ministre justice et sécurité publique d'Haïtien, M. Carlos Hercule, M. était clairement dit que sous plusieurs médias, il y a un plan qui a été manigancé par des secteurs, par des groupes, par des acteurs de pays, pour être capable d'assassiner PM Gary Conny. Et dans ce sens, le gouvernement Conny mettait avec PM Gary Conny, il a pris toute disposition pour capable sécuriser la vie PM Gary Conny et la vie ensemble de ministres qui ont même menacé, mais pas question ça. Et pas oublier que, en pile, et même ministre justice a dit clairement que ça qui est arrivé, président Jovenel Moïse, dans côté de groupe mercenaire qui était arrangé, et bien qui était arrangé avec des haïtiens qui étaient entrés en tant que président, sous cabane président, touillé président, assassiné président, martyrisé président, mais Carlos Hercule clairement dit que l'IPAP quitté que PM Gary Conny et l'IPAP quitté des ministres en gouvernement, yo même victime est passé plus mal que Jovenel Moïse. Et ça, monsieur, dit sous divers médias. Alors que KPT a fait qu'on est que si y a des mercenaires qui entrent en Haïti, alors que yo t'a droué au courant que mercenaire ça yo, qui est-ce qui fait rentrer et ça fait mander avec PM Gary Conny, marcher avec documents qui est capable de prouver clairement est-ce que tu es une clause entre la primature et l'équipe compagnie mercenaire ça. Nous allons regarder ça. Est-ce que ça tout, papa, tout mette Gary Conny dans une situation difficile, soit pour qu'il soit capable de révoquer ou dire est-ce que j'ai l'autre dossier avec elle. Et dans le compte ça que tu as dû faire le lundi 4 novembre ça, eh bien, gagne question révocation, question coupé tête, question remaniement, ministère là qui peut discuter bon côté. Ensemble, KPTO et puis PM Gary Conny. Ça veut dire là, juin lundi 4 novembre, ça, PM Gary Conny, monsieur Pral vraiment dans une situation difficile avec KPTO. Pas oublier que, dans KPTO, il y a trois conseillers qui nous cités dans le scandale corruption, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Bertillère et Smith Augustin. Trois messieurs Sayo, yo gen pou al répond question la justice et déjà juge Benjamin Félix-May, li déjà invité et Louis Gérald Gilles de accord 21 décembre pour 19 novembre k'ap vini là. Mette avec ancien président Ablis Kasson conseil BNC Raoul Pascal Pierre lui pour que y a discuté à parler et sous question scandale corruption 5 millions de goud BNC Désir Venesse. La situation a plus de questions à poser. Est-ce que Gary Conny, Leslie Voltaire, il y a quatre ans, la parole, non, non, et aux ancêtres qui ont bataille dans le 20e 18 novembre, qui a venu là. Les regardez, soldats, force armée d'Haïti, qui a défilé, qui a monté un avion, dit qu'ils ont pris la formation dans le pays, la France, les personnes. Ça a une grosse inquiétude à quelqu'un cassé. Sous plan qui tracé pour effondrer pays d'Haïti. Question rapport justice qui lie avec question corruption en dans pays a, c'est ça qui fait parler de lui. Et chaque jour Haïti a posé cette question, est-ce que autorité Borisite qui dans l'état pas suspendre voler? Est-ce que les nèg qui dans administration publique là a quitté un petit crasse pour au moins sauver la face de la République qui trouvait dans situation extrême difficile? Insécurité généralisée. Je dis si là aucun akaye abdomi embarrassé, la pli, soleil chaud, à cause situation difficile que vous gagnez. C'est cause que la police n'est pas équipée. C'est même genre si là aucun troisième section communale, si vous la Tibonite dans la localité de Lounier, abdomi embarrassé, pendant la police présente dans le département de la Tibonite, bandit, basse gang griffe criminel sans foi ni loyaux, continuez à opérer. Fait ça, vous voulez accès à l'hôpital. Et n'est qu'à faire politique. Mais qui dit que c'est président, mais qui dit que c'est ministre, ils continuent à brancer, ils continuent à boumer pour gagner plus de pouvoir. Pour faire qui ça? Personne ne connaît. Si tu as posé cette question, est-ce que Mounsa a dirigé pour Haïtien? Ou a besoin d'un paquet de monde qui a gardé, qui a attendu, qui a dit quel est-ce qui est dans le KPT, quel est-ce qui est dans le gouvernement? Ils ne peuvent pas diriger pour intérêt des Haïtiens, mais c'est pour intérêt
mettre qui mette au côté OEA, c'est ça qu'il a proposé. Parce que si vous avez dirigé pour Haïtien, vous avez dirigé pour regarder modèle situation que le peuple a connu tout partout à travers le pays, pour dire pas qu'à manger, vous pas qu'à venir se santé. Ensemble, axe routier a toujours été contrôlé pendant le premier ministre Dr. Gary Conille, de promettre la récupérer le pays, kayankay, quartier par quartier. L'implique pour Nia, selon le conseil présidentiel et transition, non question mercenaire, qui est-ce qui va gagner discours, rencontre, cap gagner pendant la journée de la personne. C'est une bonne question qu'elle a posée. Mais pour Nia, il y a un tout qui pose PM, qui dit que le plan macabre ça n'est pas passé, parce que nèg bien planifié pour t'arrêter la vie, PM Gary Conille, et lui-même lui fait légitime défense, soit le gagner avec le groupe mercenaire. Est-ce que la loi autorise le premier ministre pour le faire ça? Eh bien, il pourra répondre à une question avec document en main pour le prouver. Mais par qui raison, mais par qui raison qu'elle t'est sentie, qu'elle t'est menacée, et le directeur général de la police. Bien plusieurs gros VIP calmant pour gagner des policiers qui accompagnent surtout Raoul Pascal Pierre-Louis, président, ancien président du conseil présidentiel et ancien président du conseil d'administration, disons, BNCA. Lui fait quoi? Selon avocat, il a demandé sécurité pour président, pas de parti. Malheureusement, le directeur général de la police fait quoi? Qu'il n'a pas gagné trois policiers qu'il fait confiance face avec la situation qui gagne en d'un pays. Je dis, est-ce qu'on est qui premier ministre qui estime, même directeur général de la police, qui se ferait dame, il va faire confiance parce qu'il y a un pile là, et qui n'a mauvais deal, qui n'a mauvaise affaire? Est-ce que le premier ministre doit faire policiers haïtiens ont confiance au lieu des monde qui l'a cherché qui ont dit qui m'a sénéré. Nous pas anticiper sur question, mais après tant lumière faite sous lui, laisse à nous-mêmes, comme leader d'opinion, comme analyste, nous connaissons qui discours qu'il veut porter contre. Si pour nous démasquer, nous démasquer. Si pour nous applaudir, nous applaudir. Parce que nous croyons ni conseil présidentiel de transition, ni primature, il y a bien bagaille dans le meilleur pour nous prouver choix ça qui nous fait les personnes. Tentative arrestation. Contre ancien directeur général et Anapla, Jean-Tel Joseph, Maître Evel Fonfan, dénoncé un complot li fè kwè, qui montait de toutes pièces dans le niveau ministère de la Justice, que Carlos Ekuil a dirigé, et souvent un montage qui a arrangé pour être arrêté Jean-Tel Joseph. Et le continue pour le dire. Jean-Tel Joseph pas enfreint la loi dans quatre batailles qu'il a mené. C'est persécution politique. Elle dit, avec responsable dans le gouvernement, il y a besoin de faire respect pour ne pas continuer dans la tentative de faire ça. Désir Venesse, on dit avec ses métiers, que ensemble, on a vraiment analysé. Mais en même temps, tout, on a vu avec des séries de réactions de gens qui parlent. Et pour nous capables d'entendre qui position on a gagné, et sur plusieurs dossiers, plusieurs points qu'on se parle là, on a annoncé là. Pas oublier question Andy raconte qui t'a dû faire entre PM Gary Conille avec et KPT1, parce que c'est pas Leslie Walter comme président KPT1, mais c'est tout conseil qui invité PM Gary Conille pour que PM a une explication en détail de groupe mercenaires qui en Haïti. C'est jusqu'à présent KPT1 s'est confirmé c'est dit, c'est quoi que mercenaires ça là Conille, le fait que officiellement il n'est pas informé de ça. Eh bien, il y a des informations. C'est à PM Gary Conille qui t'a fait mentionner ça au Vini. Et pas oublier question sécurité, n'a point ça. On parle de responsabilité avec PM Gary Conille comme chef CSPN et le premier des policiers. Eh bien, et dans ce sens, on invite pour que l'I capable de faire une explication, bonne explication, avec papier dans main, document dans main. Eh bien, et bon côté KPT, avec KPT. Parce que KPT a besoin qu'on est. Est-ce que mercenaire ça yo vini nan ki objectif ki yo vini? Et est-ce que yo vini tout parce que menace la mort et pendier sous tête PM nan? Est-ce que PM nan dit jodi an le fait que le contact arrivé Jovenel Moïse, li pa quitter que li même li vinn quitter nèg ici vinn manger? D'ailleurs, li connaît que c'est une période transition que li vinn gérer. Li connaît son période de 19 mois de transition qu'elle vient gérer. Après 19 mois, ça, la retourner dans le pays, on me dit, bah, là bien, le pays, c'est États-Unis, hein. Parce que c'est là le résidé. Là, fait un job en Haïti. Yeah, Gary Conille a fait un job en Haïti. Elle dit, il connaît clairement que, une fois que le film fait job là, la retourner la Cali aux États-Unis parce que c'est là le résidé.
Et c'est sûr et certain tout, il est capable de prendre poste dans les Nations Unies, parce que c'est là qu'il travaille. Et qui est de même dans le KPT à tout, c'est qu'il a fait un job en Haïti, mais il a retourné, une fois que le mandat est fini, il a retourné la carrière aux États-Unis parce que c'est là où il réside. Parce que en pile même dans le KPT, eh bien, c'est États-Unis où il est, les qui ont fait un job dans le KPT. Faut que comprendre bagala bien parce que moi gade mon cap parler là pas comprendre et l'aime les que moi désir venesse a fait de analyse ou après clairement et ni capété à ni koni ni gouvernement ne mettre dans même panier ne mettre dans même panier parce que yo tous les deux yo c'est deux têtes exécutives là et li revient à eux même pour prendre responsabilité yo li revient à eux même pour prendre des dispositions pour prendre des décisions pour capable résoudre ça gain là. Mais au lieu que vous faites ça, vous préférez abgoumer dans le mitan. Vous préférez abgoumer dans le mitan. Je dis, et ça fait si que nous devons culpabiliser, si que nous devons rendre responsable, nous rendre tous les deux responsables. C'est clair. Et ça fait me dire que dans le bilan 6 mois que KPT a présenté, eh bien, le bilan 6 mois, KPT a connu en même temps. Dans Koni ki 4 mois avec gouvernement là et Kapeta au total ge 6 mois. Le parle de bilan Kapeta, eh bien, mettez ni bilan Kapeta, conseiller, ajoutez de bilan 4 mois kaye koni là. Ki bon 6 mois. Koni ou même, si ke ou pa fait fanatique, ok, a ma bise koni bien, si ke ou pa fait fanatique, koni a dim, et l'on additionne tous les deux et moun ki la yo, tous les deux groupes ki la yo, OK, tous les deux groupes renseignés qu'il a yo. Tous les deux groupes piégés qu'il a yo. Tous les deux groupes corrompus qu'il a yo. Tous les deux groupes bêtises qu'il a yo. Soit fait évaluer bilan tous les deux. Qui ça bilan tous les deux à lui-même lié. Qui ça baïol? Parce que moi t'as de l'instant sur internet là. Les que ou parler de KPT, il y a des monde qui dit ou travaille pour Koni. Et là qu'on parler contre Koni. Il y a des gens qui disent, ou pas pour KPT. Logiquement, elle dit, ou pas capable pour eux-mêmes. Et bon, ok, qui s'en va parler de KPT comme positif? Qui s'en va parler de PM pour des positifs? On ne va pas être menti, on est réaliste. On ne va pas être menti, on est réaliste. Parce que leur addition de KPT, bon, bon, ouais, KPT plus Koni, l'égal à 1. Je le connais ça. En termes de décision étatique, l'homme était KPT en plus. Gouvernement Koni, il est égal à 1. Il est égal à 1 dans l'État. Il dit, il n'est pas indivisible. Il n'est pas divisible, il n'est pas divisé tout. Ils sont seuls. Parce que Koni a exécuté faire de route KPT. Si Koni échoué, KPT a échoué. Et si Koni échoué, bon, Mbabe je dis si déjà nous avons Koni mal parti. Nous avons connu ça fait comme si l'on connaît beaucoup sous la même. Et de même pour KPT à tout. Parce que KPT a trois mauvais grains en dedans selon ULCC. Et selon un ensemble de secteurs, un ensemble d'acteurs. Qui ont dit trois conseillers qui impliquent dans ce qu'est la corruption sur BNCO, Louis Gérard Gilles, Emmanuel Bettiler, Smith Augustin, trois messieurs Sayo, ils n'ont pas dit pour continuer à engager l'État. Parce que, vous savez bien, vous avez KPT. Comme un ensemble de et coquins, mesdames, parce que à travers trois conseils, ça y est, que nos cités dans ce scandale de corruption, même de même dans KPT, on est en coulé Steve Voltaire. L'été dit que avant rapport ULCC, eh bien, si que yo jeune monsieur Saouta est coupable, il a metté au sous-côté. Alors que yo jeune ULCC, jeune Gio, est dans corruption coupable. Au lieu que saleté dit, li matérialise, li préféré, attendez bien, li préféré, j'ai un deal politique avec Negio, une majorité 5 sur 7, pour être capable de mettre comme l'étape coordonnateur, oui. Mais et pas l'étape Lacounia, c'est l'étape Smith Augustin. Mais comme Smith Augustin non cité dans la question et corruption, elle avait dit, Smith font deal avec elle. Ça veut dire, le fait que Leslie Voltaire reste conseiller et Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire
Smith Augustin, Emmanuel Bettiller, Louis-Gérald Gilles, ok, yo accepté pour que yo mette tête ensemble pour faire ça. Ça veut dire, ou considère tous les cinq nèg sa yo dans même panier. Et qu'on a super capé dans l'ensemble, eh bien, le fait que tous les six conseillers yo accepté Chita, même côté avec conseiller sa yo, eh bien, moun kap gade et moun kap sur kap tende, y a dit clairement que, eh bien, tous les neuf conseillers yo, yo c'est de mauvaises affaires. Là, c'est oui. Mais capeta, mes problèmes pas le tout, mon beau. Voilà, l'oral les gars, Gaïkoni, monsieur, les que conseillers voté monsieur avec 6 sur 7. Gaïkoni, les autres en Haïti. Monsieur, à l'époque, t'es gagné France LB. Monsieur était décidé. Mettez un petit top sous lui, un petit top, mesdames, qu'on a couru, un petit top sous lui, en l'air net, qui bouche pour un tétel, et bien tout pile pense li pas en bas. Parce que c'est la mesdames, y'a baye, monsieur, choc. Exact, li met ton casque, tout crasé, ma coin exalté, hein, et puis l'endom blende avec, comment, avec France LB, y'a le fond de Marouji en bas la ville. Là, ils font visite des lieux, ok? Et puis, li vini, les sorti en bas la ville, l'a visité, attendez bien oui. L'a visité, déplacé force Kafoufeyo, mon gars qui est dans lycée jeune fille si m'a trompé. Si m'a trompé. OK? Et puis et une autre travail parce que je dis à une fierté gouvernement gagné et ni capété hein. Non 7 jours, il arrivé mettre un gouvernement campé. Haïti c'est ça fierté hein. Mais il n'y a pas jamais de mettre au cadre de la campé, au cadre de contrôle de l'action gouvernementale. Ça va être important pour eux-mêmes. Parce que ça, si vous mettez le campé, il va contrôler un supérieur qui a volé dans l'État, soit dans le gouvernement, soit dans le campé, il n'y a pas jamais de mettre. Eh bien, il y a une question de la police, il y a changé France LB, il y a avec Ramon Amel. KNS, voilà, Conseil national de sécurité. Eh bien, on regarde non. Les connus viennent. Au premier temps, la police te fait un petit boué, yo j'ai quelques espaces en bas de la ville de l'hôpital général. Konite en Django, mette avec le général Gilles, ou reprenne bagaille, yal visite, yal bagaille. Ok? Ou te passe tout bagaille en forme. Deuxième fois, koni débarqué avec un journaliste CNN, mais qui c'est un Kenyan, qui est entré Haïti avec elle, pile Kenyan, pile bagaille débarqué, yal fait interview en l'hôpital général. Pendant yon de l'hôpital général, bal pété, iso pété bal sur en bas, nègap koui, kenyan bli yézam yon a terre, pile bagay. A dit, koni vin comprendre ki, l'état fait si démago, j'y mette ti top sou li yon, ou comprenne fait si démago, j'y en bas, et bah yon différent. Malgré ça, koni continue à passer moun nan bêtise, continue à bluffer moun, li retire biwol, bakon en si se muso, la mette un biwol nan grand quartier général, et ça m'nande. Et puis, on bon l'air, li met au pile bonne sécurité des idoles, la marche à pied, chaîne masse, oh la vie commence à reprendre. Qui bo? Pendant ce temps, et bandit qui m'a sous bel air, et a vu des balles sur chaîne masse, moun a pris balle dans la tête. Ça arrête là. Koni kounia, vous pouvez comme si barayo, la font visite dans BRH en bas la ville, dans chaîne négo en bas, mais laisse ça, koni te prudent. Parce qu'il te met ton bon casque dans tête, un bon casque et balistique dans tête, il te met ton bon gilet sous lui. Ça a te bouché tout l'ombre lui-même. Pendant ce temps, ça montre que la vie qu'il te dit qu'il peut prendre dans la ville, il peut que j'aime pas prendre vrai. Il y a un mot qui a dit Koni, c'est tout fou là. Mais ça l'a dit. Et ça peut prouver que Koni avec toute équipe liant, dès qu'il n'est pas sérieux, dans la question, j'ai abordé la question de sécurité, c'est le fait que l'autant de directeur cabinet PM Gaïkouni, qui c'est Nesmi Maniga, qui t'a parlé sur antenne et Magic 9, l'a dit, communauté internationale, mettez avec ni KPT et ni gouvernement qu'on a dirigé, ils ont sous-estimé et ils ont sous-évalué ça qui est là comme crise. Ils ont sous-estimé et ils ont sous-évalué ça qui est là comme crise. Elle dit, Koni pas de côté de ta ventre. Koni pas de sale ta bine faire, si je comprends bien. Mais Koni, Jean-Pil, et des supporters KPT,
j'ai que en pile moun cap et de citoyens avisés cap garder ça gain là, yo dit koni trompé vigilance cons et capété yo parce que il te fait nèg croire que il gain pile blanc derrière. Bon, qui a gagné blanc derrière, mais que les blancs qui ont gagné derrière, c'est pas blanc, ça a aidé aider à résoudre cette situation haïtienne. Et Capité Ali, même qui est blanc, quoi, comme d'elle, bon, comme dans c'est la communauté internationale qui mettait l'empire au niveau, les États-Unis. Mais semblait, Kony lui-même, monsieur, c'est contact que le gars avec papa même. Elle dit, Capité a gagné contact avec petite là. Capité a gagné contact avec petite là, qui c'est CARICOM. Mais Kony a gagné contact avec et papa même. La maison blanche, même si nous disons ça. Et nous pouvons trouver que Konite m'a comporté un super chef. Il a humilié conseiller, parce que normalement, logiquement, parce que il était fait un deal avec qui pour voter 6 sur 7. C'est la question pile voyage. Konite fait le premier voyage. Et bien, il a fait tout le. Les Konite tourne, il fait les comprendre, il fait pile parler, dit bon, il écrit patati patata, pile bagay. Les gouvernes la blâmil. Dans les Nations Unies, Konite fait des autres pires toujours. Bon, il était là, deux bouts. Et Kony toujours comprendre que elle toujours dit ça. Même attendez au Capita qui pouvoir de oui, c'est Capita nommé. Et dit la présidence à travers Capita qui pouvoir de nomination et qui pouvoir de révocation. Mais Kony mettait les grands défis pour les révoquer. Kony mettait les grands défis pour révoquer les yeux. Parce que nous connaît clair. Révoquer Kony, c'est tout caser Capita. Et pas oublier récemment l'ambassadeur pour l'hémisphère là qui c'est Brian Nichols, monsieur parlé, monsieur m'a dit ni les Steve Voltaire, ni PM Kony, ni Capita ni Kony, monsieur mettez le dans divin non car il commandait même bagarre là. Et les Brian Nichols parlé, il engager les États-Unis dans la maison blanche. Elle commande bien, elle dit madame monsieur mettez intérêt personnel sous côté, primer intérêt général peuple là qu'on au moment très difficile les Evenes. Là nous revenons dans une situation spéciale. Qui besoin des approches spéciales, qui besoin des interventions spéciales pour résoudre problème pays. Mais malheureusement, monsieur Kilayo ou bien monsieur Damio, quel était dans gouvernement Konya, quel était dans KPTA, yo inconscient et yo insouciant de ça qui a passé dans le pays. Ça qui a passé au grave. Li besoin anti-crasse. Conscience parce que sans doute on croit que nèg gen connaissance déjà. À connaissance plus conscience honnêteté, il y a sorti pays dans sa lia. Mais malheureusement, quel était neuf membres du Conseil présidentiel de transition, quel était membre du gouvernement de Kony, il n'y a pas manifesté, il n'y a pas fait appel de conscience qu'il a parlé là. L'esprit qui conduit, il vient dans le pouvoir, quel était dans le gouvernement, quel était dans le KPTA, c'est l'esprit de développer richesse économique, soit honnête, ou bien la corruption. Mais c'est corruption qui est plus choisi parce que dès le début, à l'intro, dérivé conseil présidentiel de transition, c'était dans la base corruption qui a été plongée. Dans le fêté bicolore pays. Dans le scandale, prend l'argent pour mettre directeur général tout partout. Dans le scandale, l'argent, renseignement qui a permis que ou évaluer question insécurité de toute forme qui gagne dans le pays. Majorité de yo, yo arrangé yo, yo rete quoi son seule façon qui cap permettre que yo change condition de vie yo, c'est les revenus. Yo crasé, yo blanchi, qu'est-ce l'état? Et yo gagne des garanties, parce que yo gagne des bois, des bananes yo, qui dit yo mette continuer frapper, yo mette continuer voler, yo mette continuer faire toute qualité exaction dans l'administration publique là, pas gagne un cap privé yo. Et ça paraît grave en pile pour un peuple en pile fois que regardé comme qui n'ont pays sous-développé. Cependant, c'est même groupe monde qui a dit dans pays sous-développé, c'est yo qui monte un complot depuis même avant de l'indépendance, yo pas de venir là. Après une fin de l'indépendance, eh ben yo fait payer pour lui. Je veux dire, faut regarder niveau la honte qui gagne. Est-ce que messieurs dames qui dans conseil présidentiel de transition, messieurs dames qui dans gouvernement Konyo, yo pratiquement respecté discours que yo t'a fait dans 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Est-ce que yo te connaît qui portait que discours ça te gagné? Et je dis à même yo contredit tête yo. Non, accepté oui, gen coopération entre la France et Haïti. Ou non, au mois crucial, dans mois ça côté bataille t'a fait
entre l'armée Napoléon ou bien les Français contre les Haïtiens qui t'a bataille pour te prendre indépendance, qui t'a bataille pour te protéger liberté, symbole liberté mondiale là, dans quatre batailles que les ancêtres nous ont fait. Qui ça qui explique c'est dans moi ça et que l'ambassade de France fait quoi dans la coopération que vous gagnez à travers le ministère de la Défense, de pratiquement gain 25 soldats, la médaille qui rentre pour la formation continue. Pour qui ça ensemble formateur ça, de ne pas venir par moi ici pour la formation. Et dans la crise que nous avons là, pour l'importance que chaque militaire gagne, est-ce que c'est dans une période ça, est-ce que c'est dans un moment ça pour militaire, tu as sorti pour aller l'autre côté. Ça, c'est l'aspect que nous avons gardé. Comme tout ça qui a passé là, c'est des syntaxes bien définies par les autorités. OK? Pyromane, qui pratiquement là, parce que ce sont des chefs, ce sont des politiciens mythomanes qui arrangent n'importe gens pour y écraser, pour y briser, mettre du feu, n'importe qui gens. Voyez l'huile sous différentes façons par eux. Parce que les nègres ont déclaré que l'insécurité, c'est une principale chantier qui a dû aborder. Malheureusement, les vides paraissent très difficile pour aborder parce que chaque a développé une synergie, une relation en cachette avec le chef de gang. Nous sommes clairs. Si nous avons une déclaration du général Gilles, il a dit que pour parler, négocier avec gang. OK? Si vous attendez, les six Voltaire, vous avez dit qu'elle prend la même direction. Pendant l'étape déstabilisée, l'institution policière, bien qu'elle connaît des mauvais grains dans la police. Mais elle était exagérée, non pourcentage 40%. Là, vous pays qui trouve dans la situation, ça, tant qu'on te dit là, vous avez fait appel avec conscience. N'était-ce pas ça, Blaise? Vous avez goûté, n'a pas parlé, n'a pas proposé, n'a pas dénoncé, n'a pas annoncé, bah, elle a prêté même pareillement. C'est tant que monsieur a fait perdu. Je dis, un gros paquet de gros dossiers. Sous compatriotes, nous avons plus passé 21 000 Haïtiens que la République Dominicaine déporté dans une période d'un mois. Quand on a des situations infra-humaines très difficiles, je dis, à mon cap couru pour l'insécurité abdominale d'arrager. Mais monsieur Sayo, qui croit, n'a fait distraction. Non, fait événement pour couvrir, pour cacher l'autre événement. Il a arrangé, il a créé sensation, il a fait diversion entre deux têtes exécutives pays. Comment on est à dire que vous êtes président à travers les neuf membres? Parce que je dis à nous deux d'accord. Tous neuf conseillers sont présidents. Ils ont gagné un seul conseil, ils ont gagné un seul serment qui ont été fait, ils ont installé. Ce sont les neuf présidents de la République et ils ont tous. Ils ont engagé le pays dans façon par eux, dans sens par eux, et chaque un groupe blanc qui est derrière. Chaque membre que vous avez, qui sorti dans une organisation, qui sorti dans une association, qui sorti dans un parti politique, il y a un groupe blanc derrière, qui a dit, mais qui j'en ai réagi suivant l'intérêt que vous-même avez à travers le pays. Mais dans tout ça, moi-même, nous toujours à questionner qui côté intérêt pays d'Haïti. Parce que moi-même, je m'attends à un ensemble de réactions sur ce qui a passé là dans le pays. Blaise, c'est inquiétant. Est-ce que ça va permettre à un peu de monde de perdre l'espoir dans le comportement que nous avons gagné? Non, gérer ces bagailles, sectarisme. Non, gérer ces bagailles, clanique. Qui va permettre que vous changez les conditions pour vous. Mais si là, vous n'avez pas descendre dans la ville, si là, vous avez divers côtés que vous n'avez pas mettre pieds, si là, vous trouvez dans difficulté, dans Solino, dans Matissan, dans Belé, qui pas connaît à qui c'est que vous devez adresser, qui a l'état aborder le problème avec sagesse et avec la geste. Qui a pris que ça a sorti. Comme si relégué et connu dans le village d'accueil, vous n'avez pas le temps d'il. Sous question mercenaire, qui est dans le pays, comme si ça était besoin de faire scandale public. Un chien. Quand est-ce que ça y aurait les secrets d'état? Un, deux têtes exécutives, l'une qui a une différence sur une question. Convocation à fête, moun attendez, parce que ça c'est à 8 heures à fête. Il va d'abord fête, côté la presse pratiquement, au centre des affaires qui a parlé causé. La presse qui a bon, la presse qui a rencontré moun bien avant, il a rencontré. C'est tellement la presse qui a dit ce bagage là. Bon, je dis, c'est juste pour montrer que monsieur Arrangé, c'est un gouvernement
de transition propagandiste, quel était positif, quel était négatif, il a fait propagande avec elle. Parce que la majorité de notre pays dans le monde, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que des têtes exécutives par eux, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'ensemble, monde qui a dirigé le pays, il n'y a pas de problème. Mais ils ont arrangé pour protéger l'image du pays. Pour protéger, c'est ce qu'on appelle le secret d'État. Si c'est l'État, si c'est un branche dans l'exécutif, dans l'État, qui fait appel avec un groupe de monde, sans doute qu'elle a une raison, qui fait appel avec eux. Il vient avec eux. Nous prenons ce qu'on est. D'ailleurs, les nègres qu'on a pris le premier ministre pour rencontrer avec eux, moi, avant, nous ne connaissons pas. Même baba. Fois ça, gâteau a semblé couper cochu, mais vous sentez que ce n'est pas intérêt par eux. Et, gars, vous avez un slogan, vous n'avez pas fait back. Parce qu'en pile, les nègres quoi? Mais qui c'est le conseil présidentiel de Blaise? D'accord, parce que vous avez un président à vie, côté vous, là. Vous voulez que nous, chaque, nous connaissons ça. Yeah. D'accord, vous voulez. Mais Koni tout, Koni passe là tout son PM éternel tout. Il passe son PM, il passe son PM plein pouvoir, même Ariel était plein pouvoir tout. Des en pile partisans, ces partisans capité et ça a parlé. Dieu dit ah Koni c'est besoin de casser capité pour le capable dire jamais que c'est même avec Ariel Henry. Bon, peut-être est-ce que c'est vrai ou pas, bah qu'on est et de on boit tout et PM et partisans Koni toi fait qu'on est que capité a besoin que vous Koni aller parce que trouvez que Koni des bagages pas prendre mais des bagages en pile dans débat qu'a fait yo et dans l'opinion, beaucoup de citoyens et dans même presse, dans tout, il y a des débats qui ont fait tout ça. Mais Kounia Blaise, craser KPT arrêté, c'est qui ça qui l'a porté pour Haïti? Moi, c'est ça. C'est là mon intérêt. C'est là intérêt nous y est, Blaise. C'est qui ça KPT a fait pour Haïti? Si nous n'avons pas réglé la Blaise, nous avons craser en miettes, nous déjà. Nous avons craser déjà. KPT a été craser déjà. Et son équipe bluffeur, les nègres sortis, ils ont tout le temps gagné des rapports qui a bien bail pour montrer, pour augmenter sous volume résilience population. Ok? Pour continuer que mon population qui a souffert en attente. Je veux dire, on paquet espace transformé non temps en abri provisoire qui vient devenir abri permanent, c'est là que nous fait tout à fait, qui pas préparé. Qu'on y a ou pensé que la communauté internationale a cap brassé, cap fait l'agent sale, l'agent propre, dans tout niveau, dans la question ça là. Libéral d'accord, bon matin pour résoudre le problème. Non? Question insécurité à Blaise, nous abordons plusieurs fois. Question problème qui vient dans le pays, a, nous disons, l'idée d'intérêt général, personnel, pour chaque secteur, pour chaque groupe, pour chaque élément. C'est ça que quelqu'un fait appel à la conscience, garder le monde, faire tolérance. Qui cap permet que nous mettions de côté divergence, laisse ça ensemble décision que nous avons prises, y a fait Haïti bien. Mais toutefois, qu'il n'y a pas de caractère, nous pas de dimension pour nous faire ça, nous garantissons et le pays a fait carré à plonger. Et l'autre monde qui a gardé nous, fait carré après nous très mal, et jugez, et dans le sens que vous avez fait la blessure. Désir, bon citoyen, je vais venir avec là pour nous entendre, mon cher, et pas moi, mes amis, pas parler avec moi, là qui te commenter en bas vidéo. Tout sacré d'André Michel là, il m'a bien avec tout. Mais combat André Michel là avec et quoi tout comment et de Zeni là, mais et André Michel m'a bien avec là c'est concernant dossier Andy Capité en dossier PM Gaïkouni. C'est avec André Michel ça m'a bien avec là désir parce que mon yo besta besoin qu'on est ça cap dire dans bouche André Michel. OK? André Michel. C'était mardi 29 octobre 2024. Gagné une forte délégation de l'accord du 21 décembre qui répond à une invitation du cabinet particulier du premier ministre Gary Koni. Et rencontrant les fêtes, d'abord, conjoncture, nous avons fait une petite analyse de la conjoncture, on va avoir un peu le temps. Deuxième bagaille, nous reprocher Gary Koni d'avoir contribuer à la mise à l'écart des partis dans l'exécution des différents chantiers de la transition. On fait le reproche là. Bon, par contre, ça dérange, ça n'a pas dérangé. Je ne sais pas quel type de rapport il a avec la vérité, mais c'est problème pas lié, mais on dit la vérité. On dit premièrement, le tap monté gouvernement, il fait seulement avec membre conseil présidentiel, il n'y a pas de consulté. Voilà. Parce que 8, accord 3 avril l'a dit, premier ministre là, de choisir membre gouvernement de concert avec membre conseil présidentiel, a
partir de l'ismoun que si un terre a pas droit à ouvrir la baille, et à partir de l'ismoun, l'autre c'est que dans la société à baille. Mm-hmm. Ça veut dire en terre ouverte, un monde qui dans CPT n'a pas le droit à opposer mon gouvernement. Mm-hmm. Et nous reprochons ça, si c'est le premier ministre. Mm-hmm. Nous reprochons devant le fait que vous engagez un chantier sous conférence nationale, vous faites commission, vous pas consulté parti politique. Ce sont des ordres. Parce que faut que nous présentons dans toute phase dans le processus là. Nous reprochons parce que vous faites et commission sous question constitution, vous pas consulté nous. Nous reprochons parce que l'immédiat avec CPT, hein, vous faites commission vérité, justice, etc., vous pas consulté nous. Mm-hmm. Alors, nous avons reproché au premier ministre, en termes clairs, d'avoir exclu les parties prenantes du processus de transition. Et il fait de concert avec le CPT. Posé au maniement, je viens au table, parce que il y a un monsieur CPT qui m'a dit en remaniement. Question ça a venu. La délégation du 21 décembre a exprimé sa position avec la plus grande clarté sur cette affaire. Mm-hmm. Nous disons premièrement, pour nous, le remaniement n'est pas encore à l'ordre du jour. Mmh. Mmh. Deux raisons. Pour deux raisons. Mmh. Premièrement, on pas capable de parler de remaniement sans une évaluation du processus, mmh, avec l'ensemble des parties prenantes politiques signataires du consensus du 11 mars et de l'accord du 3 avril 2024. Mmh. Faut évaluer d'abord, et puis pour dire ce remaniement en fait, qui niveau à faire, faut qu'on évaluation. Mm-hmm. Ça, c'est une question de méthode. Mm-hmm. Et deuxièmement, on pas capable de faire évaluation seulement avec les parties prenantes qui signent avant 3 avril, il y a d'autres groupes dans la société hein, qui passent avant 3 avril, qui sont intéressés dans le processus-là, il y va de l'affaire du pays. Mm-hmm. C'est causé pays allié. Mm-hmm. En quelque sorte, le remaniement ne peut pas être à l'ordre du jour parce qu'il n'y a pas encore une évaluation. Et nous avons encouragé le Premier ministre à rencontrer toutes les autres parties prenantes pour une évaluation de la situation. Et c'est au terme de ce processus d'évaluation que nous avons connu qui s'en a fait. Est-ce que le remaniement, est-ce que le remaniement. Donc là, vous êtes devenu automatiquement l'allié du Premier ministre dans cette affaire puisque lui aussi, il a eu la même position, à savoir que il n'a pas fait le remaniement. Nous ne sommes pas l'allié du Premier ministre. Non, mais qu'a précisé ça. Je ne sais pas, mais nous ne sommes pas l'allié du Premier ministre. D'ailleurs, nous reprochons au Premier ministre, d'après avoir qu'il était entendu avec le CPT, à compte, non. Nous reprochons ça. Ils n'ont pas l'allié du Premier ministre. Mais qu'a précisé ça, parce que lui-même tout, il dit. Faut que l'évaluation, c'est pratiquement les mêmes mots que vous utilisez. Bon, ça c'est nos propres mots. Oui. Mais ce que vous avez utilisé, bon, maintenant, on dit avec CPT. Non, c'est ce qu'il a dit. Il a deuxième, dit. Deuxième bagaille, non, c'est lui. Qu'on question préjudicielle, doit évacuer. Léo, donc, question préjudicielle en droit et en politique, ben, c'est son terme, il n'a pas de plateau. Avant elle fait toute l'autre bataille forcée. Avant toute décision qui est capable de prendre, remaniement par remaniement, il faut d'abord la mise à l'écart des trois conseillers présidentiels aujourd'hui inculpés au cabinet d'instruction. Mm-hmm. Parce que justement. Vous dites inculpés. Inculpés, ce sont des inculpés. Qu'est-ce que je m'a dit, c'est conservé Léo en droit, c'est ça thème naïe, parce que c'est des mondes qui clairement visés dans le réquisitoire déformé du commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement le visé, il dit la ouvrir en instruction judiciaire sur eux. Et que le juge d'instruction saisi de l'affaire a déjà commencé l'instruction en invitant et le président de la BNC et aussi en invitant certains conseillers présidentiels. Mm-hmm. C'est clair, à cette phase des débats, ils sont inculpés. Et l'article 2 du décret du 12 avril 2024 est clair. Nul ne peut faire partie du conseil présidentiel s'il fait l'objet d'une poursuite pénale. Okay. C'est clair. Mm-hmm. Quelle a été la réaction du Premier ministre sur différents sujets, sur différents, ça nous a abordé.
sur son remaniement, qu'est-ce qu'il a dit, sur question ça nous vient comme préoccupation, qu'est-ce qu'il a dit, sur question mise à l'écart des trois conseils, qu'est-ce qu'il a dit. L'étendait non, il réagit. Moi, je n'ai pas un principe, je n'ai pas de parole au Premier ministre. Non, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non. Il a dit, il parlait, il n'a pas de position sur la question. Mais je ne vais pas reprendre dans la radio, ça vous a dit, avec le professeur Poli. Je n'ai pas de parole, il n'a pas de parole, il a un service de presse. C'est lui-même qui a jugé, s'il est nécessaire, à faire une note pour le dire, mais ça le dit. Je ne vais pas reprendre pour lui, je ne vais pas le faire comme vous le dites. Moi, bah où la position que nous avons défendue comme parti prenant du processus à la rencontre avec le Premier ministre. Même pas le ministre, elle dit effectivement répondre, libre et positionné, même pas le faire copolis, elle dit, ça va dire. Mais entre-temps, il y a une frange du 21 décembre qui contestait et présence sur la réunion, ça. La plus de bataille. Il dit que nous faisons allier nous de gouvernement. Et dans le support du gouvernement, il dit que, donc, en tout cas, vous critiquez, vous n'êtes pas d'accord. Et il dit que le majoritaire, en plus. Non, je vous débattre. Délégation 21 décembre qui rencontre pour le ministre Gary Conille hier, il était gain 7 personnalités là-dedans. Vous avez cité comment? Il était gain Sorel Jacinthe, Pascal Adrien, il était gagné Dr. Enoch Joseph, Josh Mi, Baptiste, il y a Patrick Sully, il était gagné Marjorie Michel, il était gagné André Michel. Moi, quand le 21 décembre, bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait, il n'y a pas de monde qui connaît le passé. Donc, ça, c'est pour nous-mêmes, ça, c'est des gens qui sont représentatifs de 22 décembre. Cette délégation qui a rencontré le Premier ministre Gary Conille hier à la primature, elle est représentative du 21 décembre. Évidemment, 21 décembre, son micmac, il y a plus passé 1000 signatures, monde qui s'y est né, etc. Je ne sais pas combien de mots sont dans le 21. Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 350? Je ne sais pas, même qu'on est en pile. Mais, ça me capable de dire que cette délégation, elle est suffisamment représentative de l'ensemble du 21 décembre. Même si je crois, faut continuer de discuter avec l'autre camarade. Est-ce que vous pouvez engager, est-ce que vous pouvez engager le 21 décembre? C'est cette personnalité? Ah oui, non. À coup sûr, sans doute. Évidemment, nous avons un pays qui a pile précarité. Gérald Gilles, c'est lui-même qui est conseiller présidentiel. Nous avons fait manœuvre dans tout le monde qui est avec lui. Moun ki a avèk li yo, ke dwa pa retrouve yo nan delegasyon kon sa, ou mwen, mba ge problem. Donc ou di ke se son des alliés de Gilles ki ekri la, se son vle di? Mba fin di sa, ton opinion bay, an nou pa rete sou sa, men, an avansi. Ok, maintenant, ou pale de ou mise à l'écart de Louis Gérald Gilles ou des deux autres conseillers aussi, avant tout remaniement, mais cela, donc nous-mêmes, tout comme secteur, nous n'avons pas de responsabilité que nous n'avons pas assumer, puisque nous demandons nous pour nous changer, nous n'avons pas jamais de changer nous. Que nous changer. Il n'est pas fin ça net. Ah, bien sûr. Il n'est pas fin ça net. Et bien entendu, le secteur a une responsabilité. Si nous devons faire ça, nous n'avons pas là toujours pour nous taper loin. Pas vous ai dit ça. Je reprends le fil de ma pensée, secteur a une responsabilité. D'accord? La transition, ce n'est pas l'affaire des secteurs, des parties prenantes. Est-ce qu'on va. Ok, André Michel, pour nous finir rapidement, puisque nous ne pouvons pas t'apprêter pour longtemps, j'aimerais parler là. Il y a le CPT qui veut un remaniement, il y a Gary Conille qui ne le veut pas, il y a des secteurs, des parties prenantes qui sont même d'accord pour le remaniement, il y a d'autres qui pas d'accord. Nous, tête chargée là, nous avons un gros glio politique. Comment on a sorti? Il faut revenir à la table. Faut sous table négociation. Faut tourner sous table discussion. Et il m'a bien informé que la CARICOM est déjà revenue à la table. À sa manière, avec sa casquette. On est CARICOM rencontré avec le Premier ministre, rencontré avec CPT. Parler avec. D'accord? Et moi, il y a
essayer de dégager une compréhension de la situation. Donc on est à bien pour venir consulter l'ensemble des parties prenantes le plus vite possible, toujours sur cette affaire. Et on connaît au niveau des parties prenantes dans les discussions qu'a faites entre eux. Alors, je pense qu'il faut revenir aux discussions, au dialogue, aux négociations pour nous joindre en formule. Parce que le plus important, c'est que là, le processus transitionnel est menacé. Depuis le départ, nous disons, la présence des trois conseillers épinglé dans le rapport de l'USCC, aujourd'hui inculpé au cabinet d'instruction, représente une menace pour la viabilité, la crédibilité et la réussite de la transition. Oui. Et je dis, bon problème, bon conflit s'est fait prématuré, faut nous retourner sous table le plus vite possible pour nous en faire une bonne sortie. Désir, dans André Michel, lui, et bataille entre eux, même en dedans, quoi, 21 décembre. Et puis, bon, André Michel, là, bon, on est tout. Il y a 7 monde qui toujours dans des rencontres, des réunions qui représentent à quoi 21 décembre. Pascal Adrien, Georges Major Baptiste, André Michel, Majorie Michel, Grand Docteur Enol, je ne sais pas si on est honnête. Et Sorel Jacinthe, si je ne me trompe pas, je sont 7 monde. C'est eux-mêmes qui, en grosso modo, et à quoi 21 décembre. Mais qu'on n'y a pas de bagarre. Problème dans ce game, moi, qui va dire, blessé avec offender des cas, et vie, moun sa qui fin casse pays, André Michel, patata. Bon, c'est pas moi-même, d'ailleurs, li parle comme journaliste, juste pour te saldi au banou. Mais je veux dire à tout le monde d'accord que yo pas prendre Michel pour sérieux. On comprend. Moun ka prendre Michel pour sérieux, c'est peut-être de partisans, de moun que li connaît la gire non façon. Mais André Michel connaît clairement que société a pas bien prendre au sérieux. André Michel, son qui n'a pas. André Michel n'a pas capable de déplacer pour sortir côté là pour aller dans l'émission. André Michel et de l'autre nèg tant que Majorie Michel et l'autre nèg comme quoi qui doit ta droit servir comme exemple Kato tout nèg ça on Nel Kassiri Kapier M. Demonzao et comment c'est encore nèg lui là Evalier Beauplan Yuri Lambert ces deux nèg gère toujours mais ces deux monde qui je dis pas qu'à déplacer Alchita dans station de radio faire des émissions non? André Michel l'a plus mal. C'est André Michel l'a plus mal, mais ça ne va pas déplacer même pour la aucune radio. Pour la aucune émission pour l'entendre. Parce qu'il connaît clairement que le côté l'IRBG est là pour le rite. Mais il n'est pas capable de sortir, comme si m'a dit, et aller dans l'émission. Parce que monsieur Nexa a quitté trop mauvais goût. Et je dis, ni PHTK début ce matin, passer sous Jovenel, tomber avec opposition plurielle. Il est vraiment responsable ou bien augmenter ça dans la vie là. M'pa dire commencer avec là. Mais yo c'est deux comme si groupe entité qui a gros responsabilité dans ça dans la vie là. Bien, dans ça dans la vie là. Opposition Matéli tombé dans privé, tombé dans Jovenel, passé dans Ariel, tombé dans Sagne là. C'est de gros responsables. Si n'a pas d'insécurité, n'a pas d'insécurité, basement n'a pas commencé avec PHTK. PHTK vient renforcer. PHTK vient légaliser. Mais dans l'instabilité qui est tombée là, pas oublier, depuis 2016, l'élection d'un pays, nous avons sous 9 ans, il n'y a pas jamais une élection. Nous avons presque tombé dans l'instabilité totale capitale. Nous tombons dans l'anarchie. Je veux dire, Pierre n'est pas parlé de constitution. Pierre n'est pas parlé de démocratie, non. Nous parlons pas de ça parce que démocratie a fait place avec institution étatique, nous. Li fait place avec personnel politique, nous. Côté li là, pas gagné. Depuis après assassinat Jovenel Moïse, Parlement et Jovenel Moui, Parlement vient fini. Pas qui va comme ça. Pas qui va comme ça. Vous comprenez, je dis, hein.
ouais, tout ça qu'a fait là yo, si sous Jovenel Moïse élection était faite à temps, pas t'a tout bagage ça. Si t'a gon sénat, t'a gon sénat qui t'a là et t'a qui t'a pris en charge pays en main. Mais je veux dire, mettez 9 moun, 9 secteurs, 9 pagaille qui vini là, chaque moun a défendre intérêt yo. Et puis sorti avec un PM de l'extérieur qui fait quoi qu'il te gon baguette magique nan mel et l'elle vient à l'elle l'a essayé baguette magique nan en un pas marché pour être capable et faire magie faire bagarre la marché pendant ces temps moun Solino moun Ponsondé moun la Tibonite moun la presque tout pays a crié dans question insécurité misère grand goût souffrance calamité moun a enduit dans pays là pas bouche parler des événements. Mais on est avec André Michel, tu as pu me dire là, on peut me poser cette question, mais à qui fin Désirac Blaise venir avec monsieur normalement dans Oreo ou bien dans Figuemoun. Mais il faut qu'on dise que le travail, nous, l'important, l'nécessaire pour essayer de garder tout espace sur qui ça qu'il dit, qui ça qu'il pote, qui rend qu'il fait vrai équilibre. Laisse ça la permettre au même tour, qui a gardé, qui a attendu, qu'on prenne un niveau bluffeur, qu'il y a bluffeur. Et niveau parler que nèg parler parce que en pile fois les nèg parler ou ta cap gen l'impression c'est des monde qui oué ou ta cap gen l'impression c'est des humains qui oué ta ka di que ou touché des situations que pays a connait mais malheureusement c'est à travers la parole que ou gen ensemble position ça au fond pas mais ça vrai nèg toujours al chita parler pour faire ça est-ce que c'est dans intérêt pays d'Haïti mais non nèg al chita pour définir quantité l'argent que ou doit faire dans gouvernement transition et nèg veulent que pays a connu une éternelle transition. Songez que les États-Unis, ils étaient clairs, ils étaient déclarés, pas de transition dans transition, ils ont arrangé que vous faites une autre transition, ça qui est là. Mais est-ce que vous avez la même position ça encore? André Michel, pratiquement, qui te dit que c'était avocat peuple, on regarde le dire, sous tes avocats peuple, qui ça permet pour notre casse? Qui ça permet que vous ne parlez dans le studio radio? Si ce n'est pas à distance que vous décidez, soit attendez au fond une interview avant. Moi-même, je pense que M. Sao pas modèle, il n'y a pas besoin de modèle, nous ne pouvons pas venir passer pour nous montrer que c'est modèle de cette façon. Et bon, regardez si je suis capable de venir avec un autre citoyen, ancien PM Jean-Michel Lapin, ok, ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin, monsieur qui est présent là, monsieur parlé, en fait, nous avons jeudi, vous comprenez? Ça monsieur dit et puis un ami confrère nous dans sur antenne radio magique 9 panel magique comment qu'il estime monsieur compréhension monsieur de crise pays qu'on est là en venant avec Jean-Michel Lapin ancien premier ministre sous Jovenel Moïse. Bonjour, bienvenue sur magique 9, comment est-ce? Bonjour à toutes auditeurs auditrices femmes ou garçons haïtiens qui blanchent panel magique matin et bonjour avec panel technique là. Ah ben nous là, on a regardé, on a suivi, on a observé, on a pas appris. Parce que nous rendons compte qu'il y a des nouveaux formats de gouvernance publique, de gestion publique à développer dans le pays. Parce que 6 mois, donc, on a essayé de mettre dans la hauteur pour nous comprendre. Tout à fait. Et on va dire que c'est de débattre. A fait là et qui prend la rue et c'est des nouveautés qui viennent gagner en dans branche pouvoir exécutif ça côté au premier ministre qui dans tête parle d'après moi-même pensait que pour Mathieu son mariage est indépendant de la présidence. Malheureusement c'est pas ça lié surtout dans situation ça t'as dû gagner une cohésion totale et t'as dû gagner ça moi relais de complicité dans toute action qu'a faite dans l'État et ça moi relais complicité hein? Donc yon primature yon premier ministre à partir d'un canevas et d'action sur les grandes lignes de chantier qui définissent dans à quoi t'es doué avant exécution t'es doué achita avec CPTA pour prendre approbation. Parce que, en fin de compte, c'est responsabilité de tout débrancher sur l'engagement que vous avez pris. Oui,
Non, vous comprenez, diversifié, c'est un peu ça pour ça, qui gagne un conseil présidentiel là. Mais qui ça? Personne ne pourrait faire en termes d'action pour qu'il porte réponse à choix ou défait dans les affaires de sécurité, dans choix ou défait dans l'obligation qui revient pour réaliser l'élection. Parce que, il a dit, si on dit, on voulait faire, est-ce qu'il pourrait le faire? Mais le comment faire, qui c'est même tout plus important dans la situation ça. Donc, moi, t'es dit tout sur le micro Magique 9 tout au début, jamais à la fête là, son bataille électorale qui commençait, nous pas qu'à négliger ça. Tout ce qu'on a fait là, c'est garder qui Jean, c'est un groupe monde qui pensait, fois ça encore, faut qu'il y ait contrôle l'État, contrôle une série d'institutions dans l'État. C'est ça, peut-être, yo, maintenant, tête, qui est capable de porter, gagner une prochaine élection qui va le faire, là. Oui, on bataille pour prochaine élection, on bataille pour pouvoir, on bataille pour positionnement. Et, mais est-ce qu'on pense, c'est les justes pour CPTA amputer responsabilité et manque d'action qui gagne dans le gouvernement, à uniquement gouvernement, à unique, manque d'action qui gagne, des dit, par rapport à la réalité pays, là? A uniquement responsabilité gouvernement. Je ne considère même que 10 ministres. Pardon. 10 ministres sur 14. Ben, non. Là, moi, je crois que yo gen raison. Yo gen raison parce que responsabilité action, yo, coordination action, yo, proposition qui doit être faite par rapport à action, yo, doit venir de primature. Et c'est ça qui doit être fait tout au début. Parce que le Premier ministre Garry Conille a une responsabilité pour prendre les grandes lignes de chantier, hein, sécurité, élection, etc., pour la garder, qui a transformé en action. Et c'est ça qui a bali au moins possibilité pour faire choix de ressources humaines pour aller et dans le ministère. Donc, c'est ça que nous-mêmes, nous constatons qui pas fait. Et, on attendait, effectivement, directeur cabinet à sous, dans le micro, nous, qui dit que, yo, quand yo compte, yo t'es mal évalué la situation. Donc, bien au travail, que y aurait l'état des lieux qui dit d'où fait. Et c'est état des lieux, ça, premier ministre, qui nous présenter tout au début. Et, même le pot qu'on gagne ministre, il est doué fond adresse à la nation pour dire, mais ça lui joigne, mais dans quelle situation lui joigne Magayo, mais ça lui même qu'il proposait comme solution, et c'est sous base proposition ça, il devra le monter une équipe gouvernementale pour voter réponse. Donc, c'est peut-être à lui même pas doué impliqué, bien qu'il ait essayé de faire, il ait couru derrière, au côté de joindre des conseillers, qui a dit, tel chantier, il a une compétence là-dedans, il aurait vu de doigts. Non, CPT pas dans action. Au contraire, son CPT a fait, hein, bilan pâle qu'il fait par rapport à la situation globale pays, c'est travail, parce que pas de au cas là, il te dit qu'il a pris la responsabilité, donc, je pense effectivement, il y a raison, puis il y a demandé aujourd'hui, puis il y a regardé machine. Et moi te dis encore sur le micro Magique 9 que le Premier ministre Garry Conille prend sous responsabilité li échec avec réussite transition parce que exceptionnellement dans l'histoire politique pays en matière de gouvernance publique, c'est la première fois un Premier ministre gagne 5 ministères régaliens qui le contrôle et ministère ça. Quel que soit, j'en virer les grandes lignes de chantier, quelle c'est sécurité, quelle c'est élection, il est déterminant en termes d'action pour effectivement, il apporter réponse et solution à tout problème qui vient dans le pays. Donc, même si CPT a gagné un nom considérable de ministre dans le gouvernement, c'est Garry Conille qui maestro au gouvernement. Donc, je vais expliquer, manque de résultats, il est imputé directement à lui-même. Justement, c'est ça. Il faut qu'on ne comprenne le fait que on ministre. Est-ce que ministre, c'est ministre CPTA ou c'est ministre secteur qui ont même été en d'accord? C'est des bagarres, vous n'allez pas comprendre. Parce que depuis tout le début,
et nous-mêmes, ouais, c'est chaque jour, les occasions présentées, n'a baissé de comprendre qui relation, et conseiller ou bien président conseil a gagné avec secteur qui était voyé ou toujours, et tout secteur dit, on va gagner relation, et il a demandé pour retrait, et conseiller, il a dit, pour, gouvernement, ministre, ou bien, secteur, bien entendu, par chita en conseil des ministres. Donc, bon bataille. Faut que nous pas négliger bataille et conseiller CPT, secteur, t'es voué, donc, même si ministre, là, en dans CPT, en dans gouvernement, moi, pas quoi que c'est conseiller, même, qui gagne des relations directes avec ministre. Donc, et là, nous, on bagaille technique, hein. Et m'te dit le tout sous Magic 9, malheureusement, il fait le contraire. Tant transition, pas permettre que vous allez vers des compétences, et quel que soit le niveau des compétences là, qui pourra apprendre fonction ministre là, qui pourra apprendre sa gouvernance publique, qui pourra apprendre sa gestion publique. Bien, on n'en bagaille, nous, pourquoi vous voulez comprendre que la gestion publique, c'est une science liée, même genre, toute l'autre science. Et il y a des réflexions qui piquent universelles qui fait sous ça, côté Abdio, qui de nos jours, la gestion est à la base de toutes les sciences. Quelle position PM Lapin sur quoi conseiller qui était réglé dans le rapport ILCCO, réaction publique qui met en mouvement contre eux, et théoriquement, selon des avocats nous parlons avec là, qui gagne un statut d'inculpé. Et qui retranchait dans CPTA et qui mettait devant dans un cas, une autre tout au moins, privilège que rien comme président pour vous pas répondre à une question à la justice. Moi, pense que, effectivement, conseiller Sayo, il jouit de sa nouvelle et de monde qui jouit de, bon, on va rentrer dans l'affaire, parce que pas qu'à gagner neuf présidents non plus, ça va exister. Donc, monde qui jouit de attribution ça, de tout ça qui vient avec en termes de privilèges, qui est l'immatériel, qui est légal, c'est monde qui président CPTA. Mais, c'est, ratio, c'est des hauts fonctionnaires de l'État. Et la loi dit, dans le cas ça, on monde qui gagne des hauts fonctionnaires et attribution des hauts fonctionnaires de l'État, donc, bon démarche légale pour qu'il poutre devant la justice. Moi, pensé, et moi, te dit non, l'autre micro, et l'autre radio, dans la capitale là, moi, pensé que, au niveau, commissaire gouvernement, il désengager trop vite, et des dossiers. Parce que c'est lui-même, premier démarche là, qui était doué, et via amener justice là, solliciter présence n'exagère pas devant la justice. Donc, moi-même, pas avocat, mais son science, qui peut-être, qui toujours des monalgas, des saliers, qui vient évoluer surtout en Haïti, moi fais des réflexions sur ça, sur réforme judiciaire. Donc, étant ça, moi pensé que j'ai un dossier arrivé dans le cabinet d'instruction, et j'ai dit là, bon travail, qui était doit fait, au niveau parquet Port-au-Prince, qui c'est représentation exécutive là, dans le pouvoir judiciaire là, qui pas fait. Donc, moi, pensais que, bon côté dossier à privé. Donc, juge d'instruction va faire face à Samson Diala, et au niveau de la défense, il est capable de déclarer que les compétences des juges d'instruction pour arriver effectivement sous trois conseillers. Donc, Jean, M. Liné Balthazar a été dit là, problème là, il est venu politique, hein. À ce moment-là, il faut qu'on solution politique qui doit prendre une solution, ça, dit, en dans CPTA. Qui position par ou même? Est-ce que vous pensez que, est-ce qu'il faut qu'il y ait été en dans CPTA et présent sur, contrairement à ça, certains monde? Pas fragiliser transition. Qui position pas ou même sur ça? Moi, pense que j'ai une situation virale là, et que trois conseillers, ça, effectivement, faut qu'ils ont quitté l'espace CPT. Parce que, quel que soit, j'en vire là, ou, et qui tendance qu'elle apprend, des ministres, qui te dit, on va le siéger,
en conseil des ministres. Et depuis le bail, ça a beaucoup de gens conseil des ministres qui fait, si je me rappelle. Donc, où est le secteur qui a même une position claire, il a demandé aux ministres pour ne pas participer au conseil des ministres avec même CPT ça et ou garder position et internationale là par rapport à blocage qui ça vient bail donc pour porter aide humanitaire bail pays d'Haïti donc à ce moment-là ben c'était au nom de la morale et politique donc une décision qui vous prendre sans ça pour effectivement et c'est à bonne occasion tout que nous ramener conseil là au lieu de 9 membres à 6 membres et puis tout pour nous continuer transition comme ça sans nous pas obliger à remplacer personne nous passer me passer problème là c'est plus là faire remplacement parce que là où sorti là tout obligé sorti ou car bon l'autre 6 mois avant que on remplacer parce que dans secteur on grand pile goumé on représente Ben vous avez Monsieur Désir, Désir. Allez, monsieur clair sur ça. Pendant que vous avez besoin de remplacer, pas un problème, non, monsieur Dzou. Vous avez besoin de laisser un, craser le gouvernement, c'est un. Mais vous avez besoin de prendre l'autre temps pour que vous soyez capable de mettre le camp dans le gouvernement. Donc, je dis, hein, est-ce que c'est corriger ça que nous corriger entre KPT et le gouvernement? Ou bien est-ce que c'est vous écraser ça lien comme solution? Un désir. Parce que nous allons finir tout à l'heure. Bon, moi, je pense que. Je dis, KPT n'a pas réglé rien. Il n'a pas fait rien. C'est synonyme de catastrophe que nous avons là. Remaniement n'a pas changé la situation que nous avons là dans le pays. Parce que c'est personnel qui n'est pas bon. Et vous devez garder le niveau primature tout simplement. Vous avez pris comprendre. Primature, nous avons dit qu'il y a 4 ministères non même. OK, après ça 10 autres ministères nommé KPTA. Si nous ta ka di gouvernement pa ba résultat, li c'est affaire des têtes exécutif là. On ne va rien l'autre côté que nous aller non. C'est soit là font expérience et de l'autre côté nous retirer parce que 9 présidents président sont. Coup que au gagné au point de vue budgétaire avec pays a son bagage extraordinaire, son bagage de haut rang, haut niveau. Il paraît très difficile. Et au pas que monsieur appelle avec conscience, avec bonne adresse. Il a tout pris, franchi des espaces qui permettent que vous procurez plus d'intérêt personnel, non pas intérêt pays d'Haïti. Moi-même, parce que aller dans le remaniement, la conduite directement, le dysfonctionnement, conseil présidentiel de transition et gouvernement en général de la situation. Merci à pile des Ivenes, merci avec chaque grand ami qui a regardé puis des émissions ça semaine cette nouvelle blessé faut pas une nouvelle votre calbasse faut racer nouvelle Haïti. N'a pas comment des amis qui a regardé pour capable like, partager, quitter commentaire. Et si n'a peine de mes médias ça abonner avec lui pour capable grandir communauté. Déjà activer cloche de notification. Désir avec Blaise remet nous en pile chaque fois qu'il nous prend temps de prendre ça pour nous garder nous. Quitte un commentaire, quel que soit dans gens qui te commentaire là parce que ça montre clairement comment ou garder de travail nous et apprécier ou pas dans ce sport, c'est son droit qu'on gagne et nous même on a toujours mettre nous motiver, mobiliser pour capable venir info pas oublier élection américaine c'est dans juge moins 1. Mardi 4 5 novembre, en pile focus commence à mettre, c'est le monde qui a mis focus sur l'élection États-Unis. Est-ce que États-Unis pral qu'on est au moment qu'on est, mais en plus monde t'a déjà prévoir ça qui a passé. Pas et pas pour 5 novembre seulement le jour même non, mais c'est 5 novembre et après 5 novembre. Donc c'est là et en pile focus t'a mettre. 5 novembre le jour même et après 5 novembre parce que là commencé grand pile parler en pile et bon côté et surtout et candidat républicain Donald Trump par rapport avec ça déjà commencé à dire face avec rival lien qui c'est Kamala Harris mais élection 5 novembre là tout li pral déterminer avenir États-Unis dans 4 années qui va venir là yo li pral déterminer tout la vie immigrant et de toute nationalité qui réside aux États-Unis li pral déterminer tout la vie reste mondial parce que les États-Unis c'est première puissance mondiale et sur le plan relations internationales et diplomatiques bien nous pral garder ça pral bail est-ce que ça pral et écrit dans l'histoire que pour la première fois une femme présidente des États-Unis, pas une femme noire parce que noir Barack Obama t'a fait déjà, mais on a dit une première femme noire et une première femme noire, une première femme présidente des États-Unis.
Est-ce que ça va le passer? En pile disposition à prendre. Washington a pris pile disposition. OK? Par rapport avec dossier ça, mais là, je dis, Haïtien qui en Haïti surtout, Haïtien qui États-Unis, on continue gourmet pour la caille nous bon. Bien que les États-Unis ont dit, pas dans la question Haïti, mais quand même, monsieur certain, ou bien un monde, même les États de très loin, qui vivent en Haïti, en gourmet, en bataille, pour que la caille en Haïti soit capable d'élection, capable de stabilité, capable de sécurité, capable de la vie, pour que Haïti soit capable de vivre en Haïti. Parce que les hommes de deuxième finit. Malgré ce que la border, nous connaissons un monde qui a des années par exemple, madame ma petite li. L'entrée à Haïti, là. Dans ce moment là. L'entrée, man. Malgré les gens qui ne sont pas passés, l'entrée, parce qu'il n'y a pas qu'à entrer, man. Et c'est ça que nous allons comprendre comme nostalgie, oui. Même si nous comme si, nous pour la caille bonne, nous ne comprenons pas ce que nous disons, non? Nous pour la caille bonne dans toute forme, dans tout sens. Parce que nous avons tout ça qu'elle a fait. Malgré tout ça qu'elle a gagné. Il fait comme bien, comme richesse aux États-Unis. Haïti a toujours dans tête li. Haïti a toujours sous cœur. Et me comment ça m'a dit. Merci désir. On fait la croisée dans la mi-temps journée. Merci Blaise, merci tout le monde, on était fidèle à nous.